plus grand monastère d'Égypte. Construit par les Coptes au 6e siècle et fortifié, permettait de lutter contre les razzias des Arabes. Le vaquillage qu'à 300 balles. 300 moines, il faut envahi par les troupes de Salah. Soit aussi, il y a des gens qui travaillent côté du barrage, côté de la compagnie d'électricité. Normalement, on est suivi par l'armée et c'est loué selon les enchères pour les compagnies d'hôtellerie d'hiver. Un prince nubien qui a monté sur le trône de la royauté égyptienne pendant la période de la 25e dynastie pour régner sur comme vous voyez là-bas usé. Maintenant, on mangeait à boire aux gens qui faisaient le caravane de pèlerinage vers la Mecque. Ils venaient s'installer ici pour manger et boire. Maintenant, c'est devenu un restaurant pour un hôtel. Avant, c'était la chaîne Octroy. Maintenant, c'est devenu la de la révolution actuelle, ils ont bloqué l'accès devant les mairies. Et là, on traverse devant un jardin public, la femme du roi Fallou. Je peux vous dire que avant ce jardin appartient au palais du Khedif Esmaïl Pacha, l'État a séparé ce jardin pour le faire public. À droite, en passant maintenant, ça c'est l'église de Saint-Michel. C'était inauguré à l'an 2000. C'est situé à Prague. C'est le professeur de Nagui Mahfouz, celui qui a pris le prix Nobel en 1988. Et c'était l'ancien chef du Parlement ici à Assouan. À droite, toujours en passant, il y a un musée derrière ces cimetières, monsieur, dames. Juste au fond là-bas, il y a les carrières de granit rose. C'est là-bas, monsieur, dames, là où on a partir de jardin d'enfants à partir de l'âge de 12 ans. Et l'éducation obligatoire, c'est jusqu'à l'âge de 15 ans. Et après ça, il y a les... ça, c'est le centre des Jeux olympiques. Soit derrière le centre des Jeux olympiques, soit derrière le stade de foot, il y a... En passant, monsieur, dame, maintenant, on peut jeter un coup d'œil toujours à droite. Ce bâtiment qui est à droite, ça c'est l'institut qui donne l'éducation. C'est une école hôtelière située à côté de l'école aussi. Là, ici, la profondeur.